Bonjour, c'est Sylvie de Nouvelles Perspectives. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir d'un sujet qui me tient à cœur et que j'ai évoqué lors de mon dernier groupe de coaching de croissance constante la semaine dernière. Pour tous ceux et toutes celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Sylvie Liget-Tabary. Je suis coach ressource auprès des femmes qui ont choisi de faire de leur passion leur métier plaisir. Je les aide dans le développement et la croissance de leur activité par le biais d'accompagnement individuel ou par le biais des groupes de coaching de croissance constante. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nouvelleperspective.com, nouvelleperspective tout attaché, tout au singulier.com. Bon, j'ai essayé de me dépêcher pour ne pas vous faire trop attendre. Alors, ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est la question suivante. Savez-vous à quel point vous désirez ce que vous désirez? Les deux questions précédentes sont qu'est-ce que vous voulez vraiment et pourquoi vous le voulez vraiment? Mais cette troisième question, c'est une fois que vous avez déterminé ce que vous voulez, c'est à quel point vous le désirez vraiment? Quand on regarde des gens qui ont réussi à avoir ce qu'ils veulent, est-ce que vous imaginez qu'ils se sont éparpillés et qu'ils ont couru, on dira, 10 lièvres à la fois? Non. Focussez-vous sur votre désir. Une fois que vous savez ce que vous voulez, sachez à quel point vous le voulez, à quel point ça vous fait vibrer, à quel point vous le désirez. Voyez comment vous vous visualisez, comment vous vous imaginez, comment vous ressentez déjà avec cette chose, ce projet que vous allez avoir ou mettre à jour. Si vous avez le désir profond d'avoir ce que vous voulez, si vous le voulez très très fort, bien évidemment, vous serez obligé de lâcher un tas de petites choses énergivores. Parce que nous sommes ainsi faits que nous voulons toujours plein de choses. Et toutes ces choses sur lesquelles nous nous attardons nous font dilapider l'énergie que l'on mettrait sur une seule chose. Mais cette chose est la plus importante. Alors, si vous avez un projet, si vous savez ce que vous voulez, si vous savez pourquoi vous le voulez le faire, demandez-vous à quel point vous le désirez. Et là, vous allez voir si ce que vous voulez, c'est vraiment ce que vous voulez. À très bientôt.